je suis, je crois, à la sortie de Charleroi. Et puis voilà, je vais suivre cette piste cyclable, apparemment jusqu'à Namur, le long de la Meuse. Voilà. Enfin bon, Charleroi, c'est pas terrible. J'espère que Namur est plus joli. Je pense que la réserve de charbon, il y a plein de charbon partout. Et puis alors, ce qui me surprend, sur la Meuse, il y a plein de péniches qui se font charger et qui transportent de la marchandise. Alors j'en ai vu une avec du blé. D'autres, ça doit être du charbon. En France, on voit plus ça. Hein. Une péniche là, ici, qui attend son chargement. Alors, je ne sais pas de quoi elle va être chargée celle-là. Ben, ça, apparemment, ça va encore être du charbon. Alors, le charbon, moi, je suis pas trop pour. Hein. Je crois que ça aurait disparu, l'énergie au charbon, mais je crois que, avec tous les chargements qu'ils font, eh bien. Ça n'a pas disparu. Bon, ben, voilà, ça fait 10 km que je fais. Et ben, c'est un endroit qui m'a pas trop plu, là, la sortie de Charleroi. C'est plein d'usines. Bref, et puis là maintenant on voit des terres de charbon. J'espère que ça va changer un petit peu quand même. C'est vraiment pas chouette. Enfin bon, la voie verte, là, la piste cyclable et la ravelle est excellente. En principe, alors ouais, je la quitte à Namur puisque je m'arrête à Namur. Mais elle va jusqu'à. Je pense que je vais aller comme ça jusqu'à Dieppe. Demain, je serai aussi sur la ravelle. Ils refont la piste cyclable, donc je préférais mettre pied à terre parce que bon, je vais le faire en vélo, mais aujourd'hui j'ai envie de marcher un peu, ça fait du coup. Et puis en fait, au début ils disent de mettre pied à terre, donc une bête est disciplinée, ben je fais. Bon, je vais en direction de Namur, et là j'arrive dans la banlieue, et apparemment, eh ben, c'est comme à Charleroi, c'est beaucoup de zones industrielles, et de petits ports qui chargent des péniches. On n'a plus l'habitude de le voir en France, ça. Encore une péniche. Déchargement, c'est pas un quai de chargement, mais elle décharge du sable apparemment. Sauvage.
pas loin d'arriver. Ça s'appelle la auberge de la jeunesse. C'est sympa là. Bon, ça doit un petit peu sautiller la caméra, on doit entendre un petit peu de bruit, mais je suis sur des pavés.